Là, je pense que ça marche. Regarde si t'as pas une notification. Ça marche pas? Attends, je pense que ça marche sur Twitch. Si, en direct, ce que tu vois dedans. Ah, ça marche. Ok, regarde sur Twitch, s'il te plaît. Écris un truc là-bas. C'est juste pour voir si je vois le message. Tu l'as mis là? Ouais, c'est bon. Par contre, la qualité, elle est horrible. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ça va s'améliorer. Bon, ok, moi je me balade dans le coin. Okay. Bonjour tout le monde. Alors, on est en live, on est sur le Flip 2022. On a les enfants qui vont faire des missions. Merci à toi. On a Kat qui fait des achats. Avec plaisir. Alors Kat, t'as acheté quoi? Complice. T'as acheté Complice. D'Antonin. Et tu l'as fait dédicacer, c'est ça? Ouais. Et puis pas la petite dédicace. Fais voir la dédicace. Hop. Toi. Ah ouais, bon je lis pas, mais... Ok. Il y a l'autre auteur sur place. Super. Bon ouais, très bien, alors je vais vous montrer un petit peu, là on est place Drapeau, il fait très très chaud. Comme ça tu auras même un souvenir, tu vois. Yes. Tu pourras regarder. Donc du coup les enfants ils veulent faire des trucs. Je sais pas. Ouais, moi je fais un tour. Ah, ils sont déjà partis tes enfants. Du coup je fais un tour. Du coup je vous montre un petit peu. Bon alors excusez-moi mais comme c'était pas tout à fait facile à lancer, je mets un peu de temps. En fait je le lance 15 fois pour réussir à vous lancer une vidéo. Donc là on est à place du Drapeau. Donc c'est là où il y a la plupart des jeux. Enfin une bonne partie. Salut. Donc là on est devant Hall de Chape Games. On a Antonin qui faisait des autographes. Il y a des jeux à... Vous pouvez acheter des jeux. On peut bien sûr tester des jeux. Je vous fais un petit peu le tour. Salut Jinx. Donc là, il y avait Kat et Tan. Ici, c'est Kat et Tan. Voilà, on a Kat et Tan. Là, on a BlackRock. Alors là, on a essayé de le faire, mais on n'a pas réussi. Il y a une histoire, vous savez, avec un micro-macro dans la ville. Et on a galéré. On n'a pas trouvé encore. Alors, je vous montre un petit peu vite fait, hein, parce que je ne vais pas faire tout le tour. Mais voilà, on est vendredi. Il y a du monde un petit peu partout qui joue à plein de jeux. On a les animateurs en rouge. Donc voilà, il y a des tournois en fait. Donc à 16h partout dans la ville il y a des tournois pour gagner. Oui je lui passerai le bonjour du coup. Donc voilà, on est chez BlackRock Games, désolé. Du coup ça joue à plein de jeux. Je vous montre un petit peu hein, vite fait. Je vous fais le tour de cette ville, de cette place, pardon. Et après je vous montrerai d'autres endroits, mais je referai des lives si ça marche. Donc là on a Ricochet, vous savez qu'on y a joué à Ricochet. Ah, il y a Ricochon. Moi j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Voilà. Du coup on a des jeux ici. Alors je vais faire le tour vite fait. On a Jumbo. On a un peu du monde partout en fait. Et là on est que vendredi. Autant vous dire que ça va être un peu la folie. Alors j'arrive des fois pas à voir votre nom. C'est Bascal qui écrit. Salut tout le monde, salut Bascal. Voilà, donc là ça joue, il y a plein de jeux. Rambo, Bandido, Bison, il y a des jeux que je ne connais même pas. Donc là je fais l'extérieur, après je vous remontrerai au milieu. Donc là on a Ketchup Games et Ravensburger. Ouais, on m'a dit que celui-là il était vraiment bien, qu'il fallait que je l'essaye. Donc voilà. C'est celui-là là qui n'est pas encore sorti. Mais qui est vraiment sympa. Il faut vraiment que je l'essaye. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore. Voilà. Donc c'est Momodi, apparemment c'est assez sympa. Sushigo. On a Twinit dans la ville en fait, il y a des quêtes à faire avec ça. Là on a Widika.
qui ont des jeux. Ils ont des jeux. Il y a qui édition aussi qui est là. Avec l'hippogramme. Donc là, ils ont Foufou. Bon, moi, j'aime Foufou. Las Vegas. Ils ont l'hippogramme. Alors par contre, je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Nous, on vient de jouer à Bunny Kingdom. Du coup, on a gagné quelques trucs. Voilà, c'est plus pour les enfants. On est plus sur les pour les enfants. Les trucs qui tombent. Là, il y a les joueurs. Alors, je sais pas trop ce qu'ils font. Hein. Ils font du sport. Du sport en plein soleil. Bon courage. Voilà. Là, on a Goliath. Avec des jeux. Alors, j'essaie d'aller vite parce que sinon, ça va être trop long. Et en fait, les animateurs en rouge donnent des missions aux enfants. Et donc là, c'était trouver une dame qui commençait par un M avec des boucles d'oreilles. Donc, ils ont couru un peu partout. Voilà, on a des tables esquissées. Là, il y a encore de la place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a les jeux Smart Games. Voilà. Alors, il y a des endroits où on ne peut pas forcément trouver de la... Là, on a ABBA. Donc, je vous fais l'extérieur, après je vous ferai l'intérieur. Je vous montre un peu. Hein. Salut, la Marina Bretonne. Ça va? Coucou. Alors, je vois pas forcément vos noms parce que j'ai un espèce de reflet de fou. Maki, on m'a dit qu'il était bien. Alors, regardez, il y a celui-là auquel on a joué sur BGA. Du coup, je peux le voir en vrai. Voilà. Celui-là, il aura. On y joue en vrai là, sur le stand. Maki, que j'ai pas testé. Là, il y a un jeu. Là, il y a un jeu. C'est un peu comme une pétanque. C'est entre la pétanque et le palais. Pitch shot. Donc, c'est en fait, je vous montre. C'est un peu comme une pétanque. Vous voyez, c'est, sauf que c'est incurvé. Et donc, du coup, ça joue. Voilà. Avec le cochonnet qui se met à l'envers, ainsi de suite. Donc, ça, c'est. Salut. Là on a Blue Orange, ah oui j'avais dit que je vous montrais que d'abord un côté. Là on a des jeux, le palais, c'est quoi le palais du palais. Je suis au flip, ah ben c'est cool. Bah écoute si t'arrives à me retrouver, si t'arrives à me retrouver, fais-moi un coucou, n'hésite pas. Voilà. Alors là vous allez voir qu'il y a plus de monde. Ici là le trophée des éditeurs. En fait, il y a plein de gros jeux. Bonjour. Il y a plein de gros jeux. On a différents types, en fait. Donc, il y a les jeux de réflexion, les jeux enfants. Là, ça joue. Là, il y a du Dixit. Là, eh ben, je vous montre, mais il y a, vous voyez, tout est pris d'assaut. Là, ici, c'est plus compliqué pour trouver une place. Voilà. Au moins, je vous aurais montré un petit peu. Hein. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. En fait, je galère de ouf pour lancer une vidéo. Ça plante 4 fois avant de se lancer, donc c'est un peu galère. Il y a des toilettes à votre disposition ici. Je vous le dis. Voilà, là, on a aussi d'autres jeux. On remercie beaucoup les gens en rouge qui aident, enfin qui sont payés, mais qui aident beaucoup et qui jouent vraiment le jeu. Il y en a, parce qu'avec la chaleur là, c'est ouf. Donc là, on a les jeux pour les enfants. Je vais vous montrer, je ne sais pas si ça a avancé. Là, on a sur les deux Sèvres. Là, ils ont mis des trucs sympas, c'est des brumisateurs d'eau, là. Ça fait du bien. Je vous cache pas que... Là, il y a un défi. Ah ben, attendez, je vous montre. Il y a un défi Tantrix. Il y a un petit défi, là. Et en fonction du nombre de pièces qui seront posées, du coup, ils donneront des sous à une association. Donc, hier soir, j'ai participé. Je vais voir où ça en est, parce qu'on a fait hier soir.
Et je vais voir si ça a beaucoup avancé ou pas du coup. Bonjour. Bonjour. Je venais juste voir si ça avait beaucoup avancé depuis hier soir. Depuis hier soir, oui. Ça a bien avancé. L'idée c'est de prendre. Donc du coup il faut poser des tantrix et essayer d'en mettre le plus possible, essayer de les relier, essayer d'éviter de faire des trous. Voilà, nous on en a mis quelques-uns. Voilà. Au revoir. Hop là, je continue. Alors je vous ferai des parties du flip parce qu'en fait comme c'est très grand, sinon j'arriverai jamais. Donc là on a le temple du jeu qui vend des jeux. C'est un peu leur but du jeu. Très joli jeu de mots. Là on a le village des créateurs. Donc là on a de ce côté là j'avais vu c'est plus des protos. Oui, il y a des protos fun. Il y en a des protos mais qui ont l'air d'être presque finis. Un autre jeu là. Donc ça c'est plus des protos, vous voyez. Il y en a qui sont... Donc voilà, c'est des jeux. Donc je vous montre vite fait les coulisses. Donc là c'est du proto. Donc là ça discute un petit peu là. On a la boutique Sortilège. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, si vous m'entendez pas ou quoi, dites-le moi que j'évite de tourner et de marcher des kilomètres. Là il y a la commission accessibilité. Hop là. Ah, là il va y avoir dans pas longtemps. Bon ben ce serait très bien. Et là ici c'est une vente aux enchères pour gagner des jeux. Donc là en fait il faut donner des billets, ils ont tous gagné des billets. Ah ils font des cadeaux. Ah ben les enfants sont pas là. Voilà, ils envoient des cartes. Il y a des bars, ouais, des bars ils sont. Les bars ils sont dans la ville en fait. Donc là ils donnent vous voyez des cadeaux. Là on a le donjon de Nunbeck. Alors honnêtement j'ai pas eu le temps de tout faire. Parce qu'en fait ça fait 3 jours que je suis là. Mais en fait c'est trop grand. Et on a des missions. Je les ai vus. Ephios, ça me parle. Donc il y a ça. Ephios, nouvelle contrée. Vous avez également deux autres jeux qui se cachent quelque part sur le festival. Est-ce que vous connaissez l'entrée? Voilà. À droite, c'est des boutiques. Hein. Ouais, il y a des bars, mais en fait, je bois presque pas. Enfin, je bois de l'eau, en fait. T'as même pas envie de boire de la bière tellement il fait chaud. Là, ils jouent vachement à ça parce qu'en fait, il y a trois axes. Et du coup, ça joue pas mal. Voilà, ça joue. Ils sont en train de ressortir les classiques. Il y en a plein qui jouent. Si jamais le jeu vous intéresse beaucoup, en boutique, il sera à 32 €. Nous, on peut le prendre en précommande dès maintenant. À Speed Games. Et en plus, on a un plan chez vous. Et vous aurez des petits personnages en plus. Donc là, on est chez Aspid Game. Bonjour. Moustique Attack. Oui, il y en a plein, hein, vous avez vu. Okaluda, à côté. Okaluda, Poulpoul. Ah, ils ont. Donc ça, c'est Okaluda. Ah, Clash of Deck. Fallait que je le teste, Clash of Deck. Donc c'est ici, Clash of Deck, on peut tester Clash of Deck. Il fait une chaleur, les amis, de ouf. Vous imaginez même pas la chaleur, quoi. Donc là, on a fait juste une petite partie. Hein. Donc il y a des trucs pour remplir l'eau. Ils ont pensé à pour remplir. Oh, trop bien. Celui-là, il est en grand. Il est géant. Énorme. Oui, parce qu'il y a des jeux grandeur nature. Là, il y a Onboard, le Capitaine Nipple. D'ailleurs, il y a un concours. Hein, je vous fais gagner une boîte de jeux. Et vous pouvez peut-être partir en croisière. Alors,
Maintenant, j'ai fait tout le tour. Je vous montre le milieu. On a Gigamic. Je passe vite fait. Ah bah c'est cool alors. Ah, je l'ai testé, ça y est. J'ai enfin testé ce jeu. Et j'ai beaucoup aimé. Acropolis, là, on vient de le tester, il est vraiment bien. Bah d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, il n'y a que des tables d'Acropolis. Hein. Non, il n'y a pas que des tables, mais beaucoup. Donc voilà. J'ai gagné quand même pas mal de jeux. Ma fille, elle m'a... On a joué à ça avec... ma fille, elle m'a explosé. Elle m'a vraiment explosé. Des jeux de pitchout. Ouais, l'ambiance est vraiment sympa ici. Bon, Catetode, elle paye pas souvent l'apéro, mais... Ah, elle est là. Elle me poursuit. C'est facile de te retrouver avec elle. Ouais, c'est facile. Alors du coup, les enfants, ils font toujours des trucs. Ouais, ils font des défis. Ah, vas-y, tu peux montrer le cahier des défis. Je vais vous montrer ça parce que, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Je me mets à l'ombre parce que sinon, je vous vois pas. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui existe. Et vous allez comprendre pourquoi on court partout avec Catetan. Donc on a le bouquin de flip avec tout. Et ça, en fait, c'est pour les trophées pour voter. Attends, il y a ton numéro de téléphone. Hein. Et là, vous voyez, en fait, il va falloir voter pour des jeux. Donc il faut tester tous ces jeux. On a des tampons et après on peut avoir des hoopies. Et il y a tout ça en quête à faire. Ça, c'est des quêtes. Alors il y en a plein. Ça va être se maquiller, jouer à des jeux, participer à des tournois, ainsi de suite. Voilà. Et donc du coup, on fait tout ça. Et en plus, il y a des quêtes annexes dans les vitrines, un peu partout. Donc on essaiera de vous montrer. Hop là. C'est bon, vous en avez gagné? Ouais, on a gagné un billet chacun des Monte. Fois, là-bas. Attends. Regardez, en fait, on montrait la monnaie puisqu'il y a Léa. Ah ouais. Là, c'est, on, là on, moi j'ai 300, donc lui aussi. Et on a tous les deux une carte. Ok, et il faut continuer à demander à... Garde les gars. Non, mais il faut qu'elles soient à côté, là. Enfin, elles seront... bref. Donc il y a des cartes à gagner pour avoir pour avoir des whoopies, c'est des petites trucs en peluche. Moi je lui disais, bon, au pire, sinon vous n'avez pas, au lieu du billet, vous n'avez pas un whoopies et tout. Non, on en a plus. Salut Léa, il y a Jinx qui te dit salut. Salut. Allez, je continue pour vous montrer, et puis après on va où? Vous voulez aller où vous? Là, ils sont partis là. Alors là, ils essayent d'avoir des billets. Donc là, on est chez Studio H. Voilà. Oh, le truc, je ne connais pas du tout. J'ai pas testé celui-là. J'ai testé en virtuel. D'accord. Bonjour. Donc là, du coup, il y a des jeux que je ne connais pas. Là, il y a Funifox. Ah oui, celui-là, il est sympa. Candylab. Candylab, il est pas mal. Candylab. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Iraboa, je connais pas du tout. Iraboa. Je connais pas. Alors du coup le... Ah ouais, Secret Identity. Mais je crois qu'il faut être beaucoup à Secret Identity. J'ai envie d'y jouer. Voilà, là on a Bradgelon Games. Pas facile à dire. Donc on vous montre. Ratapoli. Ah, là il faut de la place. Hein. Ah, c'est ça. D'accord. Ratapoli, donc là on est chez Bradgelon. Ah, la vallée marchand, si. Si, la vallée marchand. Butine Zerzura. Butine, je connais pas Butine. Donc je vous montre un petit peu ce qu'ils ont. Ah oui, il y a Captain Wars. Celui-là j'ai envie de le tester, Captain Wars. Ouais, Captain Wars, j'ai vraiment envie d'essayer. Ah bah il est là. En train d'y jouer là. Bon, le problème c'est que les tables sont prises. Hein. Quoi? La dame qu'on a croisée ce matin avec les cochons, c'était à quel endroit? Là, ici là. Oui, mais c'était. Elle est là-bas au fond à gauche normalement. Okay. Au fond, là, Léa, là tu vas à gauche et c'est au coin là, vers le truc de sable. Ils sont au taquet. Voilà.
Il y a des jeux que tu connais pas, mais bien sûr qu'il y a des jeux que je connais pas. Il y a Libellude et Ludonaut. Alors eux, ils ont quoi? Mille et une îles, je connais pas. Bon, Living Forest, je connais. Vous voyez, il y a du monde quand même. Je montre un petit peu. Ça joue. Wonder Book, je connais pas. Celui-là, par exemple, je ne connais pas. J'ai les joueurs sur Fort Empire. Azul. Le dernier Azul. Là on a Chasmodé. Splendor. Café, je connais pas. Juste mot. Et il y en a plein que j'ai pas testé quand même. Hein. Donc là on est Chasmodé, il y a Libellude au fond. Là, si je l'avais mis là, j'avais pas les points et j'avais deux coups là, c'est pas du tout. Là, on voit ça. C'est là que j'ai pas trouvé celui-là. Celui-là, je connais pas du tout celui-là. Là, voilà. Non, il n'y a pas barricadé. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je voulais l'avoir, mais il n'y a pas Léo. Je voulais l'avoir, mais je ne l'ai pas vu. Je sais pas si elle est là. Elle m'a pas répondu. Sur Insta, je pense qu'elle est en vacances. Il y a Dixit, Mysterium Park, que j'ai pas testé. Demain, on fait un... Oh là là, je sais pas pourquoi je suis passé par là. Hop là. Demain, on fait un tournoi. Demain, on fait un tournoi. Demain, on fait un tournoi de Stella. De Stella Universe. Donc demain, on fait un tournoi pour essayer de gagner des choses. Là, on a Lucky Duck Games. Alors j'ai même pas fait tous les stands tellement tellement il y a de monde et là on est juste sur une zone. Je vous montre en fait parce que pour que vous compreniez, là on est ici là. Mais en fait, il y a des jeux, il y a toutes les rues, il y a des jeux là, il y a des jeux là, il y a des jeux là, il y a du truc ici. Il y a des jeux ici. On était là tout à l'heure. Donc nous on était là tout à l'heure quand on jouait effectivement. Donc vous voyez, il y a des là on est que sur cette place. Donc on a toute la ville à faire. Donc je vais pas tout vous faire aujourd'hui. Vu. Ah, on a vu la marina. Voilà. Je ne sais pas où tu es. Ah, il y a celui-là que j'ai envie d'essayer aussi. Bonjour. Ouais, je suis un live pour un petit live pour montrer un petit peu. S'il y a besoin d'infos sur des jeux. D'accord. Vous savez, vous voulez. Ok, non mais là je fais un live général pour montrer un peu l'ambiance, les différentes ouais, stands. Tu montres qu'il fait assez froid. Ouais, je montre qu'il fait froid, ouais. Bon, c'est belle. Ah ouais, non, et moi j'ai pas ça. Ah ouais. Ah, je vais avoir un cadeau. Ouais. Bah oui. Cascadia, tu l'as testé? J'adore Cascadia. Ah oui, moi j'adore Cascadia. Ouais, il marche bien. Hein. Ah ouais. Ah ben il en a plus, voilà. Ah, t'as la boutique éphémère de Libellude. D'accord. Ok, ben ouais, on y est allé. Oh, merci. Il fait super bon. Ah ouais, dans la boutique éphémère. Tu m'étonnes que tu sois là-bas. Là, ici, on a Super Meeple. Savannah Park aussi, j'ai bien aimé Savannah Park. Et ils ont des. T'as vu, ils ont des pistes 2D Super Meeple. Et là, ils règlent les ventilos. Donc voilà, ça joue. Ça joue. Faut refroidir tout. Ça marche. Ouais, ça marche. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Là, on a Tiki Edition. Alors, vous avez vu, ils sont beaucoup. Hein. Tout le monde est un peu serré. Hein. Hop là, Tiki Edition. Recto Verso, Lucky Number. Je les connais pas tous. Tu vois, je les connais pas tous. Il dit je les connais tous. Recto Verso, oui, j'ai testé. Lucky Number, oui. C'est vrai? T'as pas testé ça? Ça, c'est sympa, ça. Je connais pas ça. Si t'aimes les jeux de vie, faut... Tichu? Je connais pas. D'accord. Ouais, mais j'ai tellement de jeux à tester. Il y en a trop. C'est si t'aimes les jeux de prix.
t'aimes pas les jeux de pique, tu passes. D'accord. Bon, on me dit que Tichu, c'est bien, les amis. Donc je vous conseille. Je testerai. Je vous dirai après. Ah, mais attends, celui-là, je crois qu'on y a joué. Non, j'ai pas joué à celui-là. Je croyais avoir joué. J'ai joué avec des escargots. Voilà. Ah oui, à la boutique éphémère de chez Libellude, il fait bon. C'est pour ça. Là, on a 13 mots, on a testé tout à l'heure. Voilà. Il y a un stand 13 mots. Captain Games. Ils sont tous bien habillés. Hein. Ouais, ils sont sympas leur costume. Donc je vous montre, on fait le tour et après. Ah, tu l'as vu à la boutique? Ah, mais je l'ai. D'accord. Elle a barricadé, elle a la boutique de Libellude. Ah ouais? Ouais, apparemment. Je l'ai pas vu. Là, on a Loki. On a Loki ici, on a Yellow. Yellow, on a quoi? Shoten Toten. Visite Royale. Ah oui, j'ai joué à celui-là. Tutti Moussi. Incontournable. Il y a carrément de... Get on board. Je sais pas pourquoi, moi je confonds toujours les deux. Unmatched. Unmatched. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Hein. Vous pouvez tester des jeux. Le Roi des Nains, The Crew. Il va falloir que je fasse gagner. Je sais pas pourquoi je suis passé là. Hop là. Pardon. Non, merci beaucoup. Voilà. Je vous montre un peu. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Wheel Match. Oui, c'est un jeu de pichenette. Ah, un jeu de pichenette. Bon, on lance le dé. Ouais. Bon, alors, j'essaye de montrer, je sais pas trop. Vas-y, je me mets là. Vas-y. C'est bon, j'en ai. Ouais, vas-y. On met le singe de pichenette, donc on met la pièce au milieu, on va lancer, et on voit avec une pichenette qu'on est dans le rang. Ah oui, dans la couleur demandée. Oui, si on arrive dans la bonne couleur, on relance, etc. C'est ce qu'on obtienne le vert et qu'on puisse essayer de marquer un but. Ah oui, d'accord. Ah oui, et là, si par exemple tu es orange, tu dois reculer. Oui. Si d'accord. Un blanc, j'ai là ou là. Et si on a un blanc une fois, on est là, on refait blanc, on n'a pas le droit de rester même. De retourner là. Ah ouais, d'accord. Ça se joue en deux points si vous voulez essayer de jouer. Alors je suis en live alors ça va être compliqué mais c'est quoi le nom du jeu? C'est Wheel Match. Wheel Match. Wheel Match. D'accord. Et c'est auto-édité? C'est auto-édité? C'est le printemps et de l'autre côté là-bas, mais voilà. Et il a fait ce jeu là. Ah oui, ça j'en ai, il me semble que j'en avais entendu parler. Williams. D'accord. Ok, ben merci. Voilà, j'ai pas le temps, mais j'essaierai. J'aime bien les... Et du coup, écoute, 5 euros. 5 euros, ça va. 5 euros, et on peut jouer à 2, en fait. D'accord. Ça prend pas trop de place, il y a un dé et la place. Très bien. Ok. Ouais, ouais, bon, y a moyen que ça m'intéresse. Donc là... Olem, le petit robot. Ah, regardez, il est ouvert. Avec des moteurs à charbon. Je dis ça parce qu'on a une discussion et en fait, c'était drôle. Salut. Ça va. Donc, c'est un petit robot qui se déplace, qui permet de jouer à plein de choses. Tir à la corde, tout ça. Il y a plein de choses. Moi, j'ai testé vite fait le tir à la corde. Et voilà l'idée. Et après, il y a du décor en 3D, ainsi de suite. Allez, on a presque fini. Ah ben voilà. On a l'auteur. Voilà, l'auteur du jeu. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Tracmo, là, je suis passé. Il faut qu'on essaye Momodi, on a dit. Là, on a Tragmo. C'est des jeux de mots. Rambo, Ghost Dog, de chez Ghost Dog.
Tribunal que j'ai beaucoup aimé de chez Ghost Dog. Tribunal, je vous conseille vraiment. Moi, j'ai Tribunal, j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Skytopia. De chez Atalia. Je connais pas ce que c'est. Gutenberg, j'ai envie de l'essayer parce que, bon, mais forcément, Gutenberg, il est vraiment... c'est le gros jeu, mais je crois qu'il est vraiment bien. J'ai pas testé, alors je vais pas... Voilà, bon, il y a plein de jeux, Atalia et... Ok, la Marina. Au moins, on se fera un coucou. Ensemble, que je connais pas. Et tu vois, il y en a des jeux que je connais pas. Le paquet de chips. Je sais pas si vous aviez vu le packaging. Bon. Le jeu de Théo Rivière. Et de Mathieu Aubert. Parce que je dis toujours Théo Rivière parce que je le fais, mais Mathieu Aubert, je savais pas. Bon. Tout rentre dedans. Hein. Du coup, c'est un jeu un peu de Paris. Mot malin. Lotsi. Que j'ai testé, il est bien. Ouais, j'ai testé, il est sympa celui-là. On l'a testé avec Snissi. Celui-ci, on l'a testé avec Snissi. C'est sympa. Next Station London. Bon, ben ça, celui-là, on y a joué hein, sur BGA. On peut pas dire qu'on n'y joue pas. Hein. Voilà. Ah oui. T'arrêtes pas de dire le nom. Ben, au moins, c'est bien, tu retiens. Salut, ça va? Ça va? Tu es forme? T'es là toi? Ok, tu fais quoi? D'accord, ouais c'est une bonne idée. Ok, bon, ouais, très bien, donc je fais mon tour, mais à la prochaine, peut-être à tout à l'heure. Du coup c'est le frère d'un pote. Oh, et lui il en a gagné sur son chapeau, regarde qu'est-ce qu'il a. Ah, mais dis donc, il est célèbre. Regardez, je vous montre. Regardez tous les whoopies qu'il a. C'est ça qu'on peut gagner difficilement. Lui, il est connu. Hein. Je ne sais pas comment il fait, mais. Donc là, on a quoi? Ah oui, on a ça là. Ça me rend fou les boules comme ça là. Ah, et moi, les perplexus. J'avoue, ça me rend fou ça. J'essaye à chaque fois, mais à chaque fois, je bug. Oh, t'as vu, regarde. Tu vois? Alors ça c'est complètement pas pour moi. J'y arrive pas. Voilà. Ah oh, ben là il y en a un grand. Voilà. Gecko, c'est plus des jeux pour les enfants. Après on a jeu au plat, mais on arrive à la fin. On arrive à la fin quand même. Pour faire finir le tour. Et donc ça c'est que la place principale. Tu t'es perdu la Marina, mince, il y avait la Marina qui voulait venir. Elle s'est perdue. Place du drapeau, hein, on est place du drapeau. Ah là, c'est Paille, avec Baba au Rhum, que j'ai beaucoup aimé. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Dark, je ne connais pas. Virus War, je ne connais pas. Il y en a des jeux. Baba au Rhum. Celui-là, je vous ai expliqué les règles. Pixie aussi, que je vous ai expliqué les règles. Voilà. Donc il y a plein de jeux. Il y en a des jeux. C'est fou, hein. C'est vrai qu'on n'imagine pas le nombre de jeux qui existent. Ça paraît. Donc voilà. Donc là, vous avez vu que la place principale. Mais en fait il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs nos enfants ils sont où? Ouais, ça fait un petit moment du coup qu'on n'a pas vu nos enfants. Ils sont en train de courir partout pour essayer de gagner donc des billets. Ah, les enchères vont commencer. Les enchères ont lieu tous les soirs à 19h. Ah, dans 30 minutes, je vais peut-être pas tenir 30 minutes. Voilà. En face de l'accueil Festival ludique international de Fortenay. Tribunal, c'est celui-là que je vous disais que vraiment j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment sympa. Bon, ben voilà. Du coup, je ne sais pas si ça vous a plu, mais voilà l'idée un petit peu. Alors là, on est vendredi.
Je pense que samedi, dimanche, ça va être improbable. Du coup, je pense qu'il va y avoir tellement de monde. Là, ouais, on a Wilson Jeux. Je sais pas si je suis passé là tout à l'heure. Ouais, si, Wilson Jeux. Rimbaud, il est pas mal. On a testé Rimbaud, c'est pas. Ouais, sur BGA, j'ai testé aussi. Ouais, t'as vu, c'est tout bête. Ouais. Rimbaud, tu te dis, il y a trois cartes et en fait, c'est pas mal l'idée de Rimbaud. Easter, je connais pas. Ah, on a testé Mysterium Kids qui est pas encore sorti. Et c'est avec des sons. C'est vraiment, vraiment pas facile. Tu connais toi? Non, t'as pas testé? Non, tu l'as testé hier toi? Ouais, j'ai testé hier. Ouais. Ah oui, alors là, il y a Taranis Edition. Ils ont des super images. Donc là, ils vont bientôt faire un jeu qui devrait. Enfin, le jeu est presque sorti. Et il devrait. J'avais dit que je le testerais, c'est pareil. J'ai tellement de jeux à tester. Et donc celui-là, je dois le tester avant dimanche soir. Voilà. L'idée. Donc il y a de superbes illustrations. Ils veulent le sortir avant la fin de l'année, je crois qu'ils m'ont dit. Si je ne me suis pas trompé, c'est avant la fin de l'année. Voilà. Bon. Et donc du coup, on n'a toujours pas fait la mission de Où est Charlie? De... Attends, ici, t'as le micro. Et je vous promets, on est tellement fatigué, on n'arrive même plus à trouver les mots. C'est un truc de fou. D'ailleurs, il va falloir trouver les enfants. Ah, t'as vu, il y a le jeu. Là, il y a le jeu avec la bille que tu dois ajouter là. Non, non, ça là. Avec la patte là. Oui, avec le chat là. Voilà, avec catapulte. Avec la patte là, vous devez tordre. Et... Aïe, je suis là. La mission, c'est où est Léa? Ouais, c'est ça. C'est un peu. Alors, t'es où? Il y a Marina qui est quelque part. Je vais essayer de te trouver. Enfin, non, plutôt essaye de me trouver. Si tu veux, on peut se donner rendez-vous au kiosque. Alors, en fait, ce que j'aurais pu vous montrer, c'est les enchères, si j'avais réfléchi, mais. Devant le village multimédia. Alors, ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi un village sur les jeux vidéo. Donc il y a plein de jeux vidéo. Et c'est là qu'il faut qu'on joue à Quattro. Oui, c'est là qu'il faut qu'on joue à Quattro. Il faut à tout prix qu'on joue à Quattro. Par contre, on ne sait pas où est ma fille. Quoi. Tu vas entendre la petite Léa est perdue, la petite Léa. Mais je peux vous dire qu'il fait tellement chaud, mais tellement chaud. Donc là, il faut qu'on fasse plein de choses. Ce soir, c'est une nocturne, d'ailleurs. Donc ce soir, ça finit à minuit, je crois. C'est minuit. Et alors, il faut savoir que ça finit à minuit, mais après, il y a plein d'établissements éphémères ou même de zones où, en fait, tu peux jouer jusqu'à pas d'heure. Donc jusqu'à vraiment pas d'heure. Voilà. Pour le moment, moi, je n'ai pas acheté de jeu. Hein. J'ai pas craqué. Moi, j'en connais une qui a craqué un peu. J'en connais une qui a un peu craqué. Ah. Dis-moi. Ça va? Salut. Bah ouais. Bah ouais. Je suis là, mais j'étais en voiture alors. Ah, c'était en voiture? Ah ouais. Ouais, je revenais du camping. Ok. Ah, t'as trouvé un camping toi? Dans ouais. Le coin? Parce que, 20 minutes. Ouais, ah, c'est ça. Moi, je fais 50 minutes de route tous les pareil. Jours. Elle aussi, matin et soir. Donc c'est un peu long le Philippe. Il n'y a rien autour en fait, c'est ça le problème quoi. Donc, voilà. Bah, surtout quand on s'y prend tard quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Après janvier, c'est bon. Faut pas s'y prendre au dernier moment quoi. Ouais, y a plus rien autour. Si, je pense que c'est moyen. Hello la Marina dit Jeans. Salut. Salut. Voilà. Salut. Donc voilà, bon, c'était pour vous montrer. En fait, l'idée, il y a le village multimédia ici. Et en fait, ici, il y a une grande rue. Il y a une grande rue là. Et là, il y a plein de choses. Mais je pense que je vous ferai peut-être demain. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pour vous montrer. Ah ben oui, moi aussi jusqu'à dimanche. Ça va être rapide. Et là, vous allez voir, ça va être la folie, mais ça va être un peu trop long. Ça commence à 19h, là en fait il y a une vente aux enchères
Je vous explique, on gagne des billets. Nous, on avait, je sais pas si tu l'as fait, nous on arrivait, on avait 300 flippers, on était trop fiers. Il a dit bon, on va commencer. Ouais, il a dit on va commencer les enchères doucement à 4000. On était à, c'est-à-dire. Et il s'est monté à 25000. Enfin bon, donc il y a des enchères ici. Et là, il y a personne, mais d'un coup, il va y avoir du monde. Donc, voilà. Bon, bah, c'est cool de vous avoir vu. Bah ouais. Non, mais de toute manière, je vais arrêter parce que j'aurai plus de batterie et j'ai déjà plus de voix parce que j'ai crié un peu pour pouvoir que ça s'entende. C'est vrai? Ah, ça va alors. Voilà. Non, j'ai pas de micro-cravate, je crie dans le téléphone. Ok. Donc voilà. Bon, ben c'est cool de s'avoir vu, de s'être vu. Bah oui, parce que moi je t'avais déjà vu, mais toi tu m'avais pas vu. Ah ouais, c'est ça. C'est comme moi avant-hier. Mais oui, c'est ça, il y en a qui m'ont dit je t'ai vu. Katéthan m'a dit bah, moi je te connais, mais oui, mais moi je savais pas. Non, non, elle joue aussi. Donc voilà. Bon ben voilà, en tout cas je vous ai montré ici la place du drapeau. Demain je pense que je vous montrerai les rues. Après il y aura la place des enfants. Après il y aura, voilà, ça va être en plusieurs jours. Les boutiques éphémères sont bien. Du coup voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. La chapelle aussi à faire avec Mais elle est où la chapelle? Il faudrait qu'on fasse ça par contre. On pourrait peut-être faire ça, il doit faire frais là-bas. Oui, la chapelle doit faire frais. Chez Libellude, il fait, dans la boutique éphémère, il fait bon. Ouais, mais on a trouvé mieux. Je sais plus. Mieux chez Bombix. Chez Bombix. C'est meilleur. Ah ouais, ouais, parce qu'il y a des endroits où il y a la clim en fait. Ouais. Merci Jinx. Ouais. Ouais. On peut avoir la clim, c'est pareil, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste bizarrement des petits gens. C'était à 14h30. Alors, le problème, c'est que elle a peut-être bougé depuis. Mais ouais, ouais, mais il faut que j'essaie de l'avoir. Ouais, il y a quelqu'un qui. Qui c'est qui m'a mis? Oh putain, je vois pas, tu vois, on peut pas voir qui c'est qui. Enfin, sauf si t'as des bons yeux, qui c'est qui écrit en vue? La couleur. Je sais pas, je vois pas. On n'arrive pas à lire en fait. Il y a Pascal, je pense, qui a dit cette fois on voit pas David, seulement ses viewers, ça change. C'est vrai. c'est vrai. Bon, allez, je vous laisse, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao. Et puis, à bientôt. Et puis, je vous referai un live, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. Ou peut-être ce soir, je ne sais pas, puisqu'il y a une nocturne. Allez, bye! Attendez-moi 20 minutes.